le seul ex-soldat de la marine qui a réussi à obtenir un bureau sur Marie-Joise, au château même de Panguia. Oui, oui, oui. Parce que de par son poste, il est commandant des armées du GM, donc tout à fait. Et ça, c'est quand même ultra important. C'est pour vous dire à quel point ce personnage, il pèse aujourd'hui. C'est lui qui décide qui devient amiral en chef. C'est lui qui décide de absoute la marine et de son organisation. C'est lui qui décide même des missions de tous les Cypherpol, sauf le Cypherpol 0, qui lui ne répond que au Golozet. Ah mais bon, c'est du travail de bureau, quoi, au bout d'un moment. Quand t'as des bras comme Kong, c'est chiant, quoi. Tu vois des mecs comme ça, ils ont des bras énormes. Le mec il pousse la fonte pour rien quoi, il se la joue bodybuilder Kong. C'est gênant qu'au bout d'un moment t'es là, tu combats jamais, même à l'époque tu t'envoies Garp, tu peux pas y aller toi. Y'a tout le monde là-bas, t'as peur de quoi? C'est bon, à la limite tu laisses Pengoku là et va combattre toi. Non, il envoie Garp et il se chie dessus derrière son bureau. On souffle un petit peu les mecs, on souffle un petit peu. Ouais mais est-ce que c'est lui qui décide de ses apparitions dans le manga? Non. Alliés à la marine se trouvent également les chevaliers divins dans ce conflit mené par Garling Figarland. Il décide de rien, c'est le... Ouais, c'est le combat, ouais. Ah, je me frotte les mains, c'est parti. Marine se trouve également les chevaliers divins dans ce conflit mené par Garling Figarland, qui n'a littéralement pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit d'affronter carrément Roger Ryu. Voilà, voilà, il est devant. Je prends le même exemple, hein. Barbe noire, il a vu Rayleigh vieux, il a paniqué, hein. Vous en tirez vos conclusions, les mecs. Barbe blanche, Big Mom, Kaido et Shebek. Et pour cela, il est épaulé de ces petits gars et petites meufs qui sont les chevaliers divins qu'on retrouvera plus tard lorsqu'ils seront plus grands. Ce seront pas des vieux pépés comme lui parce que visiblement, ils semblent beaucoup plus petits et plus jeunes que lui sur God Valley. Et ils ont des chara-design très spécifiques. Des chara-design qui font rappeler les enfants qui avaient été élevés par Mother Carmel lorsqu'on sait qu'elle-même est en charge de trouver des enfants au potentiel heuristique extrêmement fort pour qu'ils puissent être vendu à la marine. On repense directement à Charlotte Lilin qui, si du coup n'avait pas été sauvée par Streusen ou plutôt par sa boulimie, aurait peut-être été un chevalier divin aujourd'hui. Mais ça reste une théorie qui a des écueils dans la mesure où, premièrement, elle les a goumés. Genre Big Mom est censé les avoir mangés. Oui, le mec, c'est franchement le seul chara-design avec le même masque, c'est bizarre, en plus ça correspondrait parfaitement. Mmh. Surtout que c'est les seuls qui ont pas de bocaux voilà. Sur la tête, qui ont pas de scaphandre, et du coup ça expliquerait qu'en fait c'est bien des chevaliers divins endoctrinés comme une jeunesse céleste. En fait, ici ce seraient des personnes qui auraient eu l'éducation de dragon céleste, mais qui n'auraient pas le droit d'avoir des bocaux parce que ce ne serait pas du sang. Oh, pas le droit d'avoir des bocaux. C'est un Garling Figarland. Bon, déjà, Figarland, hein, on connaît, hein, ceux qui ont vu le film savent ce que ça veut dire, Figarland. Pas le droit. Bon, et le mec peut quand même tuer des Tenorbito, quoi. Il y en a un qui déconne, boum, il le tue. Donc est-ce que c'est une question de droit? Je sais pas. Pur, vous savez, ce ne seraient pas des véritables descendants des créateurs du gouvernement mondial il y a 800 ans. Cependant, nous avons bien le nom Figarland, ce qui prouve quand même que du coup, oui, Garling, lui, serait un descendant de la famille Figarland. Est-ce que alors il serait adopté? Pourquoi il ne porte pas de scaphandre? Pourquoi est-ce qu'il a pas de bocal maintenant? C'est peut-être une question de flow, hein. Le chouchou de ces dames, Garling, hein. Vous avez bien vu, les filles qui étaient là, waouh, il est trop beau Garling, il est trop fort et tout. Peut-être que c'est une question de flow. Peut-être qu'il ne veut pas trop leur ressembler. C'est bizarre. Mais peut-être que c'est la coupe, ouais. C'est vrai. C'est vrai, la coupe. Ah oui, 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 effectivement. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai. Peut-être que du coup, il devrait se faire un gros bocal. Donc ouais, peut-être que c'est la mèche. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est vrai. Et ce que c'est parce que c'est des combattants, des mystères sur des mystères. Hein. Dans tous les cas, grâce au dragon céleste, nous avons ici trois nouvelles familles de dragons célestes issues des familles créatrices du gouvernement mondial il y a 800 ans. Aux côtés de Nerona, Figarland, du Golozei, des Nefertari et des Donkirote, nous en avons aujourd'hui trois nouvelles, dont une seule nommée la famille Manmeyer. Après la pierre et la feuille, il faut bien évidemment... Ah, voilà. Bon, ça parlait de la feuille, mais ça n'a pas beaucoup parlé de Iron Parp. Et je pensais que ça parlait de la puissance d'Iron Parp. En mode, Iron Parp, il est là, ce gros golemon qui active son haki, alors qu'il n'y a personne devant lui. Ça se demandait s'il n'est pas devenu fou, le frérot, force de pourchasser quelqu'un qui peut le chier dessus n'importe quand. Mais bon, maintenant, ça va parler en... Voilà, ça parlait des véritables patrons, c'est eux. L'équipage du roi des pirates.
évidemment parler du meilleur, je veux parler de l'équipe des ciseaux. En effet, c'est grâce à la fuite d'informations de Ginny que Roger et son équipage ont pu être mis au courant que sur God Valley se trouvait un certain trésor, on y reviendra, mais que surtout Shebeck était de la partie. Et alors, nous voyons pour la toute première fois un Goldie Roger âgé de 39 ans portant avec lui son chapeau de paille. Incroyable, regardez-moi ça. Là, on parle du Goldie Roger Prime qui n'est pas malade. Le mec, il avait un beau chapeau de paille derrière. Regardez le sourire, là, il est en pleine forme. Là, c'est pas un mec qui crache du sang. C'est pas un mec qui vomit. Là, c'est un mec, tu lui ramènes Barbe Blanche Prime, il l'éduque. Il l'éduque, il lui apprend la vie comme si c'était son fils. Il lui met une balayette, lui dit écoute, quand ton papa parle, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Tu l'écoutes. Tu comprends, Barbe Viande? Maintenant, tu... T'arrêtes de faire chier, sinon je t'arrache ta moustache. Ce Roger-là éduque Barbe Blanche. Maintenant, imaginez Iron Parp. Imaginez un mec qui s'est entraîné toute sa vie et qui pourtant perd en deux coups sur la ruche alors que l'empereur n'est même pas présent. Osez venir me dire qu'il n'éduque pas Garp. Mais c'est même pas une éducation, là. Mais j'imagine même pas ce qu'il lui fait, les mecs, s'il vous plaît. Garp, le pauvre, deux coups sur la ruche. Shiryu, Aokiji, un coup d'épée, une patate. Vous vous rendez compte un petit peu? Un coup d'épée, une patate inerte. Et le mec s'est entraîné toute sa vie, hein. C'est pas un mec en mode il a arrêté de combattre. Non, non, non. Deux coups, les mecs. Là, on parle du Roger Prime. Il l'éduque. Paille, c'est déjà super émouvant de se rappeler que la seule fois où on l'avait vu, c'était à Sabaody dans les souvenirs de Riley. Aujourd'hui, Roger, il est frais comme pas possible. Il est magnifique. C'est la représentation même de la piraterie. Et ce dernier nous dit quelque chose de très important. Enfin, vous pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti pendant un an. Alors, la seule indication de temps que nous avons pour le moment, c'était qu'il y a un an tout juste, il y a donc 39 ans, Goldie Roger a réussi un exploit qu'il dit lui-même personne n'avait réussi avant lui, pas même Shebeck. C'était bien atteindre la dernière île de Grand Line, Roadstar. Ce qui est touchant dans la plastique de ce jeune Goldie Roger, c'est que tout d'abord, il a le même âge que l'empereur Shanks le Roux aujourd'hui, et c'est vrai que... C'est Prime, regardez. Oh, comme c'est bizarre. Vous êtes en train de me dire que quand t'arrives dans les 39-40 ans, tu atteins ton prime. Bizarre. Il me semblait que cette théorie était fausse. Extrêmement louche. Bizarre. Et Shiroda a tendance à mettre l'âge du prime dans ses eaux-là. C'est extrêmement louche. Bon, ça doit être le hasard, hein. C'est littéralement leur pic. Ça y est, ils sont tous les deux. Oh, leur pic. Bizarre. Très très puissant, et on voit bien que Oda, qui adore réitérer les grandes ficelles de l'histoire, nous présente aujourd'hui un Shanks au sommet de sa force qui correspond du coup à Roger lorsqu'il a battu lui-même Shebeck. Et enfin, en plus de ressembler à Ace à 40 ans, s'il était vivant, bichette, il ressemble surtout quand même pas mal du tout à Luffy dessiné à... Il a un flow de malade, Roger, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, regardez-le. Ouais, c'est trop trop grave, hein. Oh, la chemise et tout, le chapeau de paille, c'est... On a atteint le sommet, on peut pas proposer plus, hein. Ah là, c'est n'importe quoi. 40 ans, Paris Shiroda. Ah, il y a donc 39 ans, le roi des pirates a atteint Roadstar. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a aussi 39 ans dans One Piece? Shanks... Don Shinjao quand il affronte Garp. Le roux et également Baggy le clown. Tous les plus grandes légendes de One Piece sont réunis à un seul et même endroit, God Valley, pour une seule et même raison, obtenir et retrouver le trésor de la ruche, ce fameux or légendaire. On ne sait absolument pas ce que c'est, et si jusque-là on a parlé de tous les acteurs sur place, nous avons omis bien évidemment le meilleur pour la fin, c'est bien le personnage fantôme, le personnage qu'Eiichiro Oda a... Le Goat, il est là, le méchant, le Grinch. Décidé de faire parler mais de ne toujours pas montrer, c'est bien Rock se dit Shebeck. Alors on a bien discuté et on pense avoir trouvé une théorie qui est vraiment très excitante. En réalité, Rock se dit Shebeck pourrait être, pourquoi pas, le père de Baggy le clown. Le père de Baggy le clown. Je souffle un peu. Il n'y a pas d'éléments qui nous font dire que c'est pas possible, mais je souffle un peu. Je souffle un peu. Très honnêtement, c'est bon, Baggy il est déjà devenu Yonko. Baggy, c'est un foutu clown dans tous les sens du terme. Il est devenu Yonko. Mihawk a beau être une fraude, mais Mihawk, c'est quand même quelqu'un que ça va, qui sait se battre. Aux yeux du monde, c'est le sous-fifre de Baggy. Crocodile, aux yeux du monde, c'est le sous-fifre de Baggy. On va pas en plus lui donner une affiliation de fou. Oh non, c'est bon. Équipage de Roger et tout, faut pas non plus tout lui donner. Ah, ce rythme-là, il va devenir roi des pirates, Baggy. Ah non.
souffle un petit peu. Je sais que le postulat paraît complètement surréaliste, mais on est dans One Piece, bienvenue. Comme Shanks, Oda nous a littéralement caché son nom de famille qui est Figarland depuis 25 ans. Pourquoi est-ce que son frère de cœur, Baggy, aurait pas tout bonnement également un nom qui serait caché, qui serait Rocks D. Baggy? En effet, il... Rocks D. Baggy, putain, c'est chiant, je vous jure, c'est chiant. C'est relou, je vous jure, c'est... serait plus naturel que, comme Luffy avec Roger, Teach, lui, soit l'héritier. Ah, ils sont là, les Grinch. En effet, il serait plus naturel que, comme Luffy avec Roger, Teach, regardez, lui... Regardez, ils sont là, les méchants. Ils sont là, Chiliou, il est où Vasco Shot? Il est où Vasco Shot caché sur Parp, là? Je le vois pas, mais il est pas loin. Soit l'héritier de la volonté de Shebek et non pas de sa même famille. Sinon, on serait tous déçus de savoir que Luffy serait le fils de Roger. Alors, si aujourd'hui, Baggy et Shanks ont tous les deux 39 ans... Oh! Le fils de Roger. Alors, si aujourd'hui Baggy et Shanks ont tous les deux. Comme c'est bizarre! 39 ans! M'a pourtant juré que. 39 ans? Tiens donc, sur God Valley, Roger avait lui aussi 39 ans. Est-ce que. Oh! Mais comme c'est bizarre! Encore un mec à 39 ans! Alors, Shebek, à l'instar de Baggy, aujourd'hui avec la Cross Guild, n'aurait pas réuni toutes les plus grandes. Ils l'ont mis à le montage, c'est fou! Magnifique! 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 Ah, j'applaudis là! Je me lève! Magnifique! Oh, magnifique! Oh putain, Mihawk! Oh là là, mais regardez-moi cette clownerie, quoi! Il y a le. Comment il s'appelle? Il y a le lion du cirque de Baggy, là. Doflamingo à côté, Hancock, Crocodile. Il y a que des perdants, là. Que des perdants! Que des perdants! Le mec, il a perdu sur Alabasta. Il a perdu sur Dressrosa. Il a perdu sur son île. Lui, il fait que se planquer. On lui dit va combattre Shanks. Il se chie dessus. Lui, il a perdu sur Trailer Bark. Lui, il a perdu contre Aramaki. Que des perdants! Une équipe de perdants ou de mecs qui se chie dessus. C'est un truc de fou furieux. Je vous jure, un truc de fou furieux. Et c'est pas genre, ils ont perdu contre du Yonko ou du, non. Kaido, il a perdu contre le Bajrangen, hein. Bajrangen. Big Mom, Kid et Lo, à deux, ils ont tout donné. Hein. Vous voyez, Barbe Viande, il s'est pris toute la marine. Hein. C'est des perdants, mais des vrais perdants. Heureusement, il n'y a que Hancock. Ça va, il y a Hancock qui sauve un peu le truc. C'est Barbe Noire. Ça va, il n'y a que elle. Ah, les autres... Prend de légendes autour de lui, alors que c'est une giga... Oh non. Réunit toutes les plus grandes légendes autour de lui, alors que c'est une giga fraude. Oh non, s'il vous plaît, mettez pas un nez de clown. Mais non, vous n'avez jamais mis de nez de clown sur le nez de Carp, de Parp, de Bogart, d'Akainu, d'Aramaki, de Pujitora. C'est pas pour en mettre un sur Xebec, non, mais par pitié. Je trouve que ce serait ultra... Non, on passait une bonne soirée, là, les mecs, s'il vous plaît. On était bien, là. Ah, on était bien, on a rigolé avec Iron Parp et tout, on était bien, là, les mecs. Pertinent de la part d'Echiroda. Non, ce serait pas drôle, frérot. Ce serait dégueulasse. Et si ça arrive, je le dirai, je ne changerai pas d'avis. Ce serait dégueulasse. Ce serait horrible. Non, s'il vous plaît, les mecs, au bout d'un moment, si lui, c'est un clown, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quoi? Mihawk? Non, les mecs, s'il vous plaît, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste après? Il nous reste quoi? Non, c'est bon, là, on n'en peut plus, là, c'est bon, Pour montrer que, après être devenu Shichibukai, après être devenu empereur, eh bien, il manquerait plus... Non, mais je veux bien que Pengoku, c'est une fraude. Je veux bien que Pengoku est un menteur qui raconte n'importe quoi. Mais on peut quand même accepter le fait que Pengoku ait dit une vérité, c'est-à-dire que Xebec était l'adversaire le plus fort de Roger, parce que c'est confirmé dans le databook, Rotul of Tail. On peut remettre en question les mots de Pengoku, parce que Pengoku est une merde. Et vous trouverez personne de plus d'accord avec vous que moi. C'est une vérité générale. Pengoku est une merde. Mais il a pas menti, là, les mecs. Il a dit quelque chose de vrai. Ah non, et bah oui, Kaido, quand il met des mecs hyper forts, il y a un clown en haut. Ah non, les mecs. Ah non, Pengoku ment, et Kaido ment, et Roger ment, et tout le monde ment. Ah non, c'est bon. Qu'à Baggy de c'est une dinguerie, les mecs. Venir tout simplement une légende que les journaux nous disent, c'est le retour des Rocks. C'est littéralement la Cross Guild, le retour des Rocks. Parce que, on a honnêtement, si ça arrive, je serai inconsolable. Ah, je vais pas vous mentir. Si ça arrive. Non, il y a des trucs, en fait, si vous voulez, on peut pas jouer avec, on peut pas jouer avec tout. Il y a des limites. Il y a des limites. Même cas de figure, Newgate le dit lui-même. Hey, je suis pas devenu ton sous-fifre, n'oublie pas. C'est exactement la même chose avec Dracul, Mihawk et Sir Crocodile. On a le même cas de figure. Déjà. Ah non, non, mais par pitié. Genre Baggy, c'est Xebec. Et Barbe Viande, c'est Mihawk.
Et Shiki gère ses crocodiles en mode ils peuvent tabasser Xebec. L'adversaire le plus fort de Goldie Roger, c'est une fraude. Regardez, regardez. Exactement la même chose avec Dracul Mihawk et lui-même. Regardez, regardez. Là, vous voyez cette image-là?